Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne YouTube, de nouveau moi Rose Mouni. Si vous ne me connaissez pas, je vous dis bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas mes petits chats, abonnez-vous, likez, commentez, mais surtout suivez-moi sur les réseaux sociaux. Dans cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais simplement vous montrer et vous expliquer pourquoi et comment utiliser ceci, mais en combinaison de ceci, de l'huile d'olive et de l'huile de coco, des vertus exceptionnelles. Oui, quand vous me voyez masser mes mains comme ça, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai appliqué cette huile dessus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, mes amours, sachez que pour avoir une peau en très bonne santé, en forme, il est très très important de boire beaucoup d'eau, environ 1,5 litre d'eau par jour. Bien sûr, de faire quelques exercices d'étirement, vous savez, des exercices ciblés à des endroits bien précis, vous comprenez ce que je veux dire. Il faut manger sainement. Je vais donc vous montrer comment vous servir de cette huile en combinaison de celle-ci. Cette huile est tout simplement exceptionnelle parce qu'elle est anti-âge, anti-douleur, anti-cancer et surtout protège magnifiquement bien votre peau. Oui, si elle est dorée, savoureuse, sachez qu'elle intéresse énormément de chercheurs. Vous pouvez vous en servir contre les douleurs, contre la constipation, contre l'oxydation cellulaire. Beaucoup de gens savent que ceci a une action antitumorale. Tout simplement, mes amours, parce que l'huile d'olive contient une quantité très élevée de gras monosaturés. 80% de sa teneur en lipides. Elle est riche en acides oléiques, en acides gras de la famille des oméga 9. Et vous savez comment les oméga 9 sont tout simplement bons pour votre santé. Surtout, ceci permet de faire baisser le taux de mauvais cholestérol. Bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est anti-hypertension, anti-douleur, anti-constipation, anti-âge, anti-bourrelet. Elle est riche en deux vitamines essentielles, la vitamine K et la vitamine E. Ceci nous intéresse spécialement pour vous, les filles. Ceci nous intéresse spécialement pour vous les filles. Ça va tout simplement permettre d'étirer la peau qui est en train de s'affaisser, de resserrer les muscles qui, de resserrer toutes ces peaux qui sont en train de tomber, de se détendre. La vitamine E, la vitamine K, les antioxydants. Oui, oui les filles, tout ça est tout simplement exceptionnel pour vous. Vous pouvez vous frotter les mains. Ouf, mes amours, cette huile de coco. C'est le ton pied mon pied avec moi. Je ne lâche jamais cette huile. Même si je vais faire pipi, j'emmène mon huile de coco avec moi. Simplement parce que cette huile est magnifique. Elle est exceptionnelle. Toutes les femmes qui sont femmes et qui prennent soin d'elles doivent avoir ça dans leurs affaires. Sachez que l'huile de noix de coco est riche en acides gras saturés qui sont indispensables pour votre peau. Environ 85% de sa composition, mes amours. Parmi eux, on a notamment l'acide laurique qui présente à lui seul la moitié des acides gras saturés. Cet acide gras est également présent dans le lait maternel qui ont des propriétés antimicrobiennes nourrissantes qui apaisent la peau. L'huile de coco contient également des acides gras saturés importants pour la peau. Car elles ont des propriétés antibactériennes, antivirales, antifongiques. Antivirales, l'acide linoléique est indispensable et malheureusement ne peut être produit par le corps humain. En outre, les acides gras saturés, l'huile de coco est également riche en vitamines. Oui, en particulier la vitamine A, encore une fois la vitamine E. La vitamine A aide à la production cellulaire et favorise l'hydratation de votre peau. La vitamine E, quant à elle, est simple. Un puissant antioxydant, comme on l'a dit tout à l'heure, va protéger vos cellules de votre épiderme, va détendre la peau, va protéger votre peau, va redresser votre peau qui est en train de s'affaisser exactement comme l'huile d'olive. C'est pour ça que, comme on dit, à deux, on est beaucoup plus fort. Mes amours, je vais vous montrer simplement comment utiliser cela. Hein? Voilà, vous aurez besoin d'une cuillère de votre huile d'olive, comme on a dit tout à l'heure. Et je vous conseille toujours de prendre votre huile d'olive bio, pressée à froid, extra vierge. Donc prenez le maximum, le meilleur.
Ajoutez ensuite une cuillère de votre huile de coco. Vous mélangez le tout. Sachez que leur bienfait ne se limite pas seulement à la peau. Aussi, ce mélange pourrait tout simplement devenir un partenaire privilégié de vos soins capillaires. Puisque cette huile, ces deux huiles combinées sont très très nourrissantes pour les cheveux. Hein, particulièrement utilisées pour les cheveux secs. Si vos cheveux sont abîmés, vos cheveux crépus vous donnent du fil à retordre. Ce mélange va simplement permettre de lisser les cheveux, mes amours. Vous qui êtes dans des zones tropicales, vous savez ce que c'est, hein? Peau sèche, peau fendillée, les pieds, les mains, tout ça. Combinez ces deux huiles, mes amours. Vous allez voir que ceci va devenir un puissant anti-poux, hein, après shampoing. Sachez que ceci a des vertus antibactériennes qui peuvent aussi être utilisées pour votre hygiène bucco-dentaire. Oui, mes amours, ceci va lutter contre les bactéries responsables de la carie dentaire, de la gingivite. Vous pouvez aussi utiliser ça en tant que dentifrice à la maison. Simplement, ce mélange, en raison de ses vertus hydratantes, de sa faible toxicité pour la peau, de ses propriétés émulsifiantes et bien sûr de son prix. Cadeau, hein, les filles? L'huile de coco et l'huile d'olive sont très très utilisées en cosmétique. Hein? On retrouve ça dans les soins du visage, dans les soins hydratants pour le corps, bien entendu dans les shampoings et dans les savons. Donc pour l'application, hein, mes chéris, vous mettez simplement comme ça, hein, sur la zone qui est amassée. Je vous ai dit, c'est pas seulement pour vous. Ça simplement sur la zone qui est amassée. Vous pouvez voir. Moi, personnellement, l'huile de coco, ça a révolutionné ma routine capillaire. Moi, je l'utilise en démaquillant le soir. Je l'utilise quand j'ai la peau sèche, la peau des mains. Je l'applique un petit peu partout pour mes bourrelets, entre les cuisses, pour mes hanches, le dos. Hein, si jamais j'ai une insatisfaction de ma peau quelque part, je vais appliquer ça. Mes amours, je ne sais pas quoi vous dire. Je pense que franchement, vous devez inclure ça dans votre quotidien, dans votre routine, pour tout votre corps, tout simplement parce que ceci est exceptionnel. Je prends vraiment le temps de bien appliquer ça partout parce que vous ne devez pas être pressé quand vous utilisez cette huile. Ce bijou est tout simplement exceptionnel et vous l'avez pour presque rien. Alors s'il vous plaît, mes amours, n'hésitez plus, procurez-vous-en. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. Vous pouvez voir tout de suite, lorsque vous l'appliquez, ça change littéralement la texture de votre peau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On dirait une peau de bébé. Ah, mes amours, voyez, regardez. Et quand vous appliquez sur votre corps, c'est tout simplement exceptionnel. Vous sentez comment ça resserre les pores, ça resserre la peau. Oui, mes amours. Mes amours, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout. Bien sûr, si vous êtes nouveau, si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, mais surtout, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Bisous, bisous.